Les temps sont finis. Si tu meurs en t'agenouillant devant les statues, si tu meurs en priant les morts, si tu meurs en priant les saints, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus veut que tu sors de l'idolâtrie. Jésus veut que tu abandonnes les messes des morts. On ne prie pas les morts. On n'invoque pas les morts. Il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Alors, sortez de ce genre de vie et revenez à des meilleurs sentiments. Revenez à des meilleurs sentiments. Jésus-Christ est à la porte. Si tu meurs aujourd'hui, que diras-tu à Dieu? Si tu meurs aujourd'hui, où passeras-tu ton éternité? Voici pour les castels, les musiques, les grands croix. Mets avec ça dans ta bouche, mets avec ça en buvant un peu. Aucun buveur d'alcool ne prend encore au ciel. Sauf si c'est le pain. Sors des bars. L'argent que tu dépenses dans les bars va donner ça. Tu pourrais donner ça pour les orphelins. Aucun ivoire ne prend encore au ciel. Il n'y aura pas. Aujourd'hui, les femmes, les hommes font la différence. Ne font pas la différence entre l'habillement de l'homme et l'habillement de la femme. On porte l'habillement de l'homme. Et les hommes portent aussi l'habillement de la femme. Donc la Bible nous dit, une femme ne doit pas porter l'habillement d'homme. Dans Deutéronome, chapitre 22, verset 15, verset 5. Toi, femme qui porte le pantalon, repends-toi. Le pantalon est créé pour l'homme. Et non pour la femme. Le pantalon, c'est un signe d'autorité. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand une femme porte le pantalon, quand elle veut uriner, elle est obligée de baisser de son pantalon. Et elle a trouvé sa nudité. Mais l'homme n'a pas besoin de ça. Le pantalon est un signe d'autorité. Et ce pantalon est créé pour l'homme. Même à l'époque, les femmes ne portaient pas le pantalon. Où ça venait que les femmes, il y a le pantalon soi-disant pour femmes. Si tu as des problèmes dans le foyer avec ton mari va te dire, c'est moi qui porte le pantalon. Est-ce que toi la femme, tu vois si tu as ton mari, que c'est toi qui porte le pantalon? Si toi femme, tu as le pantalon dans ton placard, va brûler ça, va jeter ça, va déchirer ça. Avec humilité, avec un cœur repentant, et il vous comprendra, il vous pardonnera. Mais si tu continues dans la rébellion, le ciel est fermé sur ta tête. À moins que tu décides de revenir à des meilleurs sentiments, à moins que tu décides de mettre de l'ordre dans ta vie, le Seigneur attend les gens qui veulent se repentir. Le Seigneur attend les gens qui ont soif de la vérité. Le Seigneur attend les gens qui ont reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Si tu pars à l'église et tu n'as pas l'amour de la vérité, tu ne seras jamais sauvé. Mais tu vas toujours continuer à adresser des prières à Marie, à Joseph, au saint, des choses que la parole de Dieu a interdit. Beaucoup de personnes se disent servir Dieu, mais sont dans la rébellion contre Dieu. On ne prie pas Marie. Chers frères et sœurs, on ne prie pas Marie. On ne prie pas Joseph, on ne prie pas les morts, on n'invoque pas les saints. La personne qui joue le rôle d'intermédiaire entre les humains et Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ homme. Il n'y a pas de médiatrice au ciel. Il y a un seul médiateur, c'est Jésus. Alors toi qui prie Marie, toi qui t'agenouilles devant les statues, devant les photos, ne meurs pas dans ça. Ne meurs pas dans ça. Répands-toi. Mets de l'ordre dans ta vie. La seule personne que tu dois invoquer dans tes prières, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est allé à la croix pour toi. C'est lui qui s'est donné à la croix pour toi. Marie n'est jamais morte pour tes péchés.
Marie était une servante de l'Éternel, une femme humble. Elle a reconnu sa bassesse devant Dieu. Lorsqu'elle a elle-même dit, le Seigneur a jeté les regards sur la bassesse de sa servante. Marie est une servante du Seigneur. Marie n'est pas la personne qu'on doit invoquer. Marie n'est pas la personne qu'on doit appeler à notre secours lorsque nous sommes en danger. Il y a des personnes, lorsqu'elles veulent dormir, elles disent, Marie, viens, prends soin de moi, viens me garder. Non, mes amis, c'est de l'idolâtrie. Jésus n'a pas fait ces choses. Les apôtres de Jésus n'ont pas fait ces choses. Mais la parole déclare, lorsque Jésus est monté au ciel, Marie est demeurée dans la prière, dans les enseignements des apôtres. Marie n'osait pas se tenir à la chair pour prêcher. La parole de Dieu déclare que les 12 apôtres se tenaient sur la chair et personne n'osait se joindre à eux. Mais aujourd'hui, on vous a dit que Marie est la mère de l'Église. Non, mes amis, les apôtres se tenaient à la chair pour enseigner et personne n'osait se joindre à eux. Marie n'était pas apôtre, Marie n'était pas pasteur, Marie n'était pas prêtre. Marie était une servante du Seigneur et elle a servi Dieu, elle a travaillé pour son salut. Mais aujourd'hui, d'où vient que les gens élèvent Marie comme une déesse, comme une divinité? C'est de l'erreur. Repentez-vous du mensonge religieux. Repentez-vous du mensonge religieux. Cela ne sauve personne. Si tu meurs en priant Marie, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Marie n'est jamais montée au ciel avec son corps. Cela n'est écrit nulle part dans la Bible que tu lis. Tu n'as jamais vu ça dans ta Bible. Toute personne qui fait l'assomption de Marie est dans l'erreur. Jésus-Christ est monté au ciel. Les apôtres ont vu et ont témoigné. Et c'est écrit dans ta Bible que Jésus est monté au ciel. Mais où est-ce que c'est écrit que Marie aussi est montée au ciel? C'est un mensonge du Vatican dans le but de vous pousser dans l'idolâtrie afin de vous dire que vous pouvez invoquer Marie, afin de vous faire croire que Marie peut s'asseoir sur le trône de Dieu. Bien-aimé, repentez-vous. On ne se repent pas après la mort. There is no repentance after death. On ne se repent pas après la mort. There is no repentance after death. Après la mort, la repentance n'a pas de valeur. After death, repentance is not having any value. Ne vous comprenez la vérité de ton vivant que ne comprenez la vérité en enfer. It is better for you to hear the truth while you are alive than to hear the truth in the empire. Because the truth you are hearing in empire is not having any value. La vérité que tu entends après la mort n'a plus de valeur. The truth you hear after your death is not having any value. Ne pas te repentir de ton vivant que de te repentir après la mort.
dit les questions. Il dit on vient là, il a dit pas la vie tu choisis. Il dit là de là on vient d'abord. Laisse les noyeurs, Allah d'autres ici bas. Donne ta vie à Jésus. Il vient là, tu Jésus. Laisse les noyeurs. Allah de ici bas. Laisse les agents de Satan, tu veux te préciser. Allah de Ekel de Dieu, tu veux dans la vie. Viens pour toi, Jésus Christ. Come to Jesus Christ. Et il va te sauver. Il va te Jesus, je ne rejette personne qui vient à moi, je ne veux pas rejeter. He will not reject anyone that comes to me. Si tu viens, il va pas te rejeter. If you come to Jesus, he will not reject you. Viens, je te rejette avec lui. We can even choose, il ne va pas te rejeter. He will not reject you. Rencontrez ta taille, ta taille. He is waiting for you, Il est pressé de moi. He wants to see you. Qu'est-ce qui t'empêche de venir à Jésus? What stops you from coming to Jesus? C'est ton gars là. Is it that your boyfriend? Dites-moi toi, on est quoi? Tu vas être allé à la boyfriend de Jésus. Est-ce qu'il peut mourir pour toi? Can he die for you? Ce qui est bien, ce qui est mal. But God knows perfectly what is good and evil. Viens à Jésus pour connaître qui il est. Come to Jesus, you know who he is. Tu as longtemps entendu parler du Seigneur Jésus. You have so long heard of the Lord Jesus Christ. J'ai entendu que il a donné sa vie sur la croix pour toi. You have heard that he gave his blood on the cross for you. Tu as entendu qu'il s'est sacrifié pour toi. You heard that he sacrificed himself for you. Jésus a fait toutes ces choses. Jesus Christ did all of these things for you. Ce qu'il a fait est vrai, ce n'est pas du mensonge. What he did is truth, it's not a lie. Le sacrifice du Seigneur Jésus, ce n'est pas une fable immortelle. The sacrifice of the Lord Jesus Christ is not an invented story. Le sacrifice du Seigneur Jésus n'est pas une histoire inventée. The sacrifice of the Lord Jesus Christ is not an invented story. C'est la réalité. It is reality. C'est la réalité. It is reality. Si tu crois, tu verras. If you believe, you will see. Si tu crois, tu verras. If you believe, you will see. Tu verras que son sacrifice est vrai. Jésus réconforte. The love of the Lord Jesus Christ will cover you. Et que tu te confonds, tu trouves. Et que tu te rappelles qu'il y a un Dieu qui a donné sa vie pour toi. L'amour envahit ton cœur. Even when you find yourself in a deep problem and you remember that the Lord Jesus Christ gave his love for you, you receive peace. L'amour de l'homme peut être à 50%, mais l'amour de ton sauveur, c'est toujours à 100%. The love of a person can, of human beings can be 50%, but the love of God is 100%. Ton sauveur t'aime à l'extrémité, il est venu donner son sang pour toi. Your Savior loves you so much that he gave his blood for you. La seule chose que tu peux faire, il ne te demande pas de sacrifier tes enfants. The only thing you will do, he doesn't ask you to sacrifice your children. Il dit seulement reconnaître que je suis le véritable Dieu, viens à moi. C'est tout ce que tu as fait. He can only recognize he's a real God and come to him. Parce que j'ai déjà tout payé pour toi. Because he has paid everything for you. L'homme avec qui tu commets l'adultère là ne peut pas verser son sang pour toi. That man you commit adultery with him cannot shed his blood for you. L'homme avec qui tu te prostitues là, il ne peut pas donner son sang pour toi. The man with which you prostitute yourself cannot give his blood for you. Ton père, ta mère, ton frère, ta famille entière, même tes amis ne peuvent pas donner leur vie. Your brothers, sisters, even your friends cannot give their life for you. Parce que l'unique, le seul, le véritable Dieu qui peut le faire, c'est Jésus. Because the only God that can do that is Jesus. Et ton Seigneur a donné la vie, sa vie à la croix pour toi. And the Lord has given his blood on the cross for you. Même plus sur la croix parce que le troisième jour il est ressuscité des morts. He is no longer in the grave, he is no longer on the cross, he is resurrected and eternal. Il est dans le séjour des morts, arraché les clés de la mort. Il est venu, il te donne les clés de la vie, dit viens à moi. He went to the grave, he took, collected the keys of the grave. And he tells those that are living, come to me. Tu sais, je pêche de manière inconsciente. I sin no consciously. Ça me dérange. It is disturbing me. Je suis en train de mourir. I am dying. Dans le prochain. Ici. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Aide-moi. Help me. Aide-moi. Help me. J'ai entendu ta parole ce soir. I have heard your word this evening. Viens dans mon cœur. Come into my heart. Viens dans ma vie. Come into my life. Viens dans ma maison. Come into my house. Viens dans le cœur de mon épouse. Come into the house of my children. Come into my heart. Donne-moi ta grâce. Give me your grace. Je t'en supplie. We beg you, God. Je veux vivre éternellement. You want to live eternally. Je veux croire l'enfer au paradis. I want to believe in heaven. Je veux croire au paradis. I want to believe in heaven. Je veux croire au paradis. I want to believe in heaven. Paradis éternel. Éternel. Je refuse l'enfer. I refuse. Je refuse l'enfer. I refuse. Aide-moi, Seigneur Jésus. Help me, Lord Jesus. Je suis musulman. I am a Muslim. Je déménage. I have. Toca a
Bimana Kumbumba, Bimana Makamo Babe, Bimana.
bâtir des fonctions d'amour dans l'ensemble des communes bénins. Depuis dans le Sénat, Tommy Lingera, côté mon côté, il est sur le canal Mathieu 24 à 36, milliards, mille jours, mon côté. Je te dis qu'il a pensé dans ta mère, ma commune, il est même à qui la terre en Noué, l'ingé, la terre en Mande, ma mort, il est Tommy Lingera. Et quand il y a un débat là, il faut le dire, ça nous a dit. Tout le temps, on a fait un temps, on est là, tout le temps, on a fait un principe. Bien aimé, soit des sujets pour faire un moment. Tout le monde a fait un gros bâtiment. Bien aimé, parce que nous sommes là. Répandons-nous car les temps sont finis. Les retours de Jésus-Christ sont imminents. Seigneur, Azali, combien d'habitants la repentance? Bandeko, Tobongo la mitema. Tobongo la mitema. Yonanga itoyemi mokolo toko kufate. Yonangai toyebite soki tokokoma na pokwa ya lelo. Kasi tango tozali kobeta masolo, ezali pe na ebele oyo bazali kokufa. Bango bazali deja kobanda eternite na bango quelque part. Seigneur azali kobenga biso na repentance. Tozwa decision ya kokabwana na mabe tango tozali na bomoi. Kabwana na lokuta. Lokuta ata ya muke ekomema yo kati na liselo. Pamba te moto na lokuta metra na ye ezali satana. Lokuta ata ya muke ya telefone yango ekomema yo na liselo. Jésus Christ ye azali verite. Seigneur azali kobenga biso tobongo la mitema. Bozongi ya Yesu Masia ekomi pene. Bozongi ya Yesu Masia ekomi pene. Kabwana na likaya tango zali na bomoi. Za decision de konangai liselo ezali ya solo. Moto ya liselo ezali ya solo. Seigneur azali kobenga biso na repentance. Tobongo la mitema. Kozela lobi te ndeko. Yonangai toyebi te soki tokokoma na pokwa ya lelo. Seigneur azali kobenga biso totubela. Tubela. Mabe nyonso tosalaka na se ya moi ezali kokota na kamera celeste. Eloko moko ya kobombama ezali te na miso na Nzambe. Seigneur azali kobenga biso toyambola. Bandeko toyambola masumu na biso. Bandeko toluka kobongisa. Tango tozali kopema toluka kobongisa. Yo na ngai toyebi mokolo tokokufa te. Seigneur azali kobenga biso na repentance. Tokomi na tango ya suka. Bozongi ya Yesu Masia ekomi pene. Ndeko, change vi na yo mpo okende kopase eternite na yo na kati na moto te. Liselo ezali ya solo. Moto ya liselo ezali ya solo. Seigneur na bolingo na ye na tongo ya lelo azali kobenga yo na repentance. Seigneur alobi tia ordre na vi na yo. Bozongi na ye ekomi pene. Tobongo la mitema. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Bozongi ya Yesu. Bozongi ya Yesu Masia ekomi pene. Bozongi ya Yesu Masia ekomi pene. Bandeko tobongo la mitema. Tobongo la mitema. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Tofwa décision ya kokabwana na mabe. Tango tozali kopema bandeko. Liwa ezali. Yonanga itoyebi mokolo tokokufa te. Seigneur azali kobenga biso na repentance. Tobongo la mitema. Bozongi ya Yesu Masia ekomi pene. Tobongo la mitema. Jésus-Christ revient bientôt.
Sandusa ya batozuwa bandeko lifelo ezali ya solo luka kimia na motonyoso bandeko lifelo ezali ya solo bongisa tango zali na bomoi Seigneur ezali kobenga biso ete otia ba ordre na bazina biso ndeko tia ordre na zina yo Jésus Christ revient bientôt. Jésus Christ revient bientôt. Totiaba ordre na bazina biso. Totiaba ordre na bazina biso. Bozondi ya Yesu Mashia et Komitene. Jésus Christ revient bientôt. Jésus Christ revient bientôt. Le retour de Jésus Christ est imminent. Bandeko to bongo la mitema. Bandeko to bongo la mitema. Tous la décision ya kokabwana na mabe. Na tango to sali na bombo indeko. Tous la décision ya kokabwana na lisumu. Yango esali ya solo. Pamba te to kozala jugé à partir ya liloba na Nzambe. To bongo la mitema. To bongo la mitema. Jésus-Christ nous appelle à la repentance. Bandeko bozongi ya Yesu Mashiya ekomi pene. To bongo la mitema bandeko. Lifelo ezali ya solo. Moto ya lifelo ezali ya solo. Tokozala jugé selon etamboleli na biso na se ya moi. Jugement dernier ekozala somo bandeko. To bongo la mitema. Seigneur azali kobenga biso totia ba ordre na bazina biso. Pamba tie to komi na tango ya fuka. Jésus Christ revient bientôt. Bozongi ya Yesu Mashiya ekomi pene. Repentons-nous car le temps sont finis. Repentons-nous car le temps sont finis. Repentons-nous car le temps sont finis. To bongo la mitema. To bongo la mitema. Toko mina tango ya suka. Toko mina tango ya suka. To bongo la mitema. Jésus Christ revient bientôt. Jésus Christ revient bientôt. Le retour de Jésus Christ est imminent. Toka bwana na masumu na baforme na yango nyonso. Toka bwana na masumu na baforme na yango nyonso. Yonanga itrebite soki tokokufa mokolo nini. Kasi liwa ekuta yo kati na lisumu te. Liwa ekuta yo ozali na enemi na ndeko na yo te. Bandeko tobongola mitema. Tobongola mitema. Jésus Christ azali bolingo. Seigneur azali kosenga biso pe tozala na bolingo. Zala na bolingo na ndeko na yo. Zala na bolingo na entourage na yo. To bongo la mitema. Bozongi ya Yesu Mashiya ekomi pene. Le retour de Jésus Christ est imminent. Jésus Christ revient bientôt. Jésus Christ revient tambola. Kozela lobite ndeko na ngai. Otozomona bibe zoloba. Tokomona nde bilembo. Otozomona leloba ndeko komi kobangisa. Tozala prêt. Ephésiens chapitre 5 na verset 16. Bibe soba racheter le temps car les jours sont mauvais. Loso kozo sepela na temps otozali. Tango ekomi mabe ndeko na ngai. Ténèbre afongoli nyonso. Diable afongoli nyonso. Ya kobatama ezali susu te. Otozomona bandeko komi kobangisa. Bongisa bomoi na yo. Asobe ngona repentance. Kolo Yesu asobe ngapsona repentance. Sanya sosi asobe ngapsona mbomwana. Atindi biso twa kobele la. Twa kwedi sa biyo te topongo la mitema. Ye kalate ya zozonga. Dibe zorba akwalo kola mohibi. Toyebi mbongate ni ler ni jour. Mokote ayebi. Denge zala kanata a Noe. Matthieu 24, 37 à 39. Denge zala kanata a Noe. Eko zala penata a mwana na moto. Denge bon boya ol. Lokola muto ya mbongo pauvre la jana homme riche Genèse Luc chapitre 16 de 20 à 31 azole la carte na moto azole la carte en souffrance azole na
Jésus t'aime. Jésus ne veut pas te voir dans la perdition, bien-aimé. Abandonnez le péché, fuyez le péché et revenez à Jésus-Christ. Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis, la repentance est maintenant. Ne mets pas ta repentance à demain. Demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. La parole de Dieu déclare dans Jacques. Nous disons que demain nous allons aller ici. Demain nous allons commencer pour aller ici. Insensés que nous sommes. Nous ne détenons pas la clé de la vie. Alors que nous nous prenons programme. Nous faisons programme que nous allons aller ici. Nous allons faire ceci demain. Mais demain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui que tu entends la voix du Seigneur. Tu dois te repentir avant qu'il ne soit trop tard. Repends-toi, bien-aimé. Repends-toi car tu n'es pas maître de ton souffle. Le maître de la vie peut le prendre à n'importe quel moment. Et quel compte tu vas aller rendre? Quel compte tu vas aller rendre au Seigneur? Parce que tout ce que tu fais sur la vie, bien-aimé, c'est pour aller rendre compte. Le Seigneur va te demander ce jour, la vie que je t'ai donnée, qu'est-ce que tu as fait de cela sur terre? Est-ce que tu as vécu sur la terre pour glorifier mon nom? Ou bien tu as vécu sur la terre pour vivre selon ta volonté? Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Matthieu 7, le verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui iront dans le royaume des cieux, mais tous ceux qui font la volonté de mon Père. Bien-aimé, est-ce que tu fais la volonté du Seigneur Jésus? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Ce n'est pas fait que je vais vivre comme je veux. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens, le verset 6, le chapitre 19. Ne savez-vous pas que vous êtes, votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez pas? Bien-aimé, là où tu es, il faut savoir que tu ne t'appartiens pas. Si tu appartiens à Seigneur Jésus qui t'a créé sur la terre, tu ne t'appartiens pas. Donc tu vas aller rendre compte un jour. Tu vas aller rendre compte. Mais quel est le compte que tu vas aller rendre? Ce n'est pas le compte de toutes les maisons que tu as construites ou toutes les voitures que tu as roulées sur la terre. Mais de la vie que tu as menée. Est-ce que tu as mené ta vie pour glorifier le Seigneur Jésus? Ou bien tu as mené ta vie dans le plaisir du monde? Il faut haïr le monde. Parce que la parole déclare dans 1 Jean 2. Le verset 14 à 15. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est initié contre Dieu? Celui qui aime le monde, l'amour du point n'est point en lui. Mais toi qui aimes le monde, laisse-moi te dire que l'amour du Père n'est point en toi et que tu te rends ennemi de Dieu. Parce que c'est la parole qui le déclare. Que celui qui sera ami du monde sera ennemi de Dieu. Est-ce que tu veux être ennemi de Dieu? Mais plutôt la parole déclare que si tu es ennemi de Dieu, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Seigneur Jésus. Mes frères, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Les temps sont finis. Jésus revient. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ est à la porte et il vous tend la main. Il veut vous voir au ciel, les temps sont finis. Abandonnez le péché. Jésus vous aime. Repentez-vous pendant qu'il est temps. Repentez-vous. Je suis le chemin, je suis la vie. Celui qui croit en moi sera sauvé. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, crois en Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois seulement et tu seras sauvé. Car le péché qui te condamnait là, le péché qui te liait là, le péché qui t'attachait les pieds là, Jésus a déjà payé. Jésus a déjà payé ses péchés. Jésus a déjà payé ça à la croix. À cause de toi, à cause de moi, à cause de toi qui m'écoutes ce soir. Toi à qui le Seigneur a fait grâce de nous écouter ce soir. Le Seigneur a déjà payé ses péchés. Il suffit de croire seulement au Seigneur et tu seras sauvé. Toi qui nous écoutes, le Seigneur te tend toujours la main. Le Seigneur te tend toujours la main. Toi qui, quand le Seigneur a fait grâce de rester en vie jusqu'à ce moment, ce n'est pas une obligation, mais c'est une grâce qui te donne de rester en vie pour écouter sa voix. Toi qui écoutes sa voix ce soir, n'endoucis pas ton cœur. N'endoucis pas ton cœur. Parce que si tu meurs ce soir, sans avoir se repentir, tu iras regretter de peu de temps, de peu
sur cette terre. Tu vas dire si je savais, mais ça serait trop tard. C'est pourquoi le Seigneur, dans son amour, il te tend toujours la main. Il te tend toujours la main, tel que tu es. Il te tend toujours la main. Ne dis pas, non, moi j'ai commis des péchés. Non, moi j'ai tué. Non, moi j'ai volé. Le Seigneur a déjà payé le prix là. Maintenant, toi, viens pour le suivre, pour que ton âme soit sauvée. Mon frère, ma soeur, cours vite pour sauver ton âme. Cours vite pour sauver ton âme. Car le Seigneur Jésus ne revient pas bientôt. Mais il revient maintenant même. Alléluia. Maintenant même. Maintenant, maintenant même. Amen. Le Seigneur Jésus revient maintenant même. Mon frère, toi qui m'écoutes, cours vite pour rentrer dans la barque. Cours vite, ma soeur, pour rentrer dans la barque. Parce que la porte de la grâce sera fermée. Bientôt, la porte de la grâce sera fermée, mon frère, ma soeur. Toi qui nous écoutes ce soir, le Seigneur Jésus t'a fait grâce. C'est une grâce que le Seigneur t'a fait ce soir. C'est une grâce que le Seigneur t'a fait, mon frère. C'est pourquoi viens rentrer dans la barque. Viens rentrer dans la barque, mon frère. Viens rentrer dans la barque, ma soeur. Jésus-Christ te tend toujours la main. Jésus te tend toujours la main. Un jour viendra où sa mère sera reprochée. Et tu vas commencer par pleurer, grincer les dents. Et tu vas dire si je savais. Mais ça serait trop tard. Ce n'est pas après la mort que tu vas te repentir. On te dit de te repentir. Mais tu dis demain je le ferai. Sais-tu ce que demain te réserve? Non, mon frère. Tu n'as jamais vu les enfants le matin. Oh, un homme le matin, une femme le matin. Mais le soir, on t'annonce que la personne est décédée. La personne est décédée sans avoir Jésus. C'est l'enfer, mon frère. C'est l'enfer. C'est l'enfer, ma soeur. C'est pourquoi cours vite pour sauver ton âme. Cours vite pour sauver ton âme. Le peu de temps qui te reste, c'est de chercher le Seigneur Jésus. C'est de faire la paix avec ton Créateur. C'est de faire la paix avec ton Créateur. Quand il est écrit dans l'Hébreux 12, verset 13, recherchez la paix. Recherchez la paix avec ton Sauveur. Recherche la paix avec ton Sauveur, mon frère, toi qui m'écoutes. Toi qui m'écoutes ce soir, le Seigneur t'a fait grâce. Le Seigneur t'a fait grâce. Le Seigneur t'a fait grâce. Mon frère, Jésus t'aime. Jésus-Christ t'aime. Ma soeur, Jésus-Christ t'aime. Mon frère, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ nous a réservé un lieu où nous irons un jour célébrer la fête. Viens rentrer. Viens fêter avec nous. Viens rentrer, mon frère. Il a dit, si tu crois en moi, tu auras la vie éternelle. Il ne nous a pas dit, si tu crois en moi, tu vas passer par le feu avant d'aller dans le paradis. C'est une fausse doctrine. Toi qui m'écoutes ce soir, même dans le Coran, il est mentionné que Jésus-Christ va revenir. Il est mentionné que Jésus-Christ va revenir. Toi qui m'écoutes ce soir, Jésus-Christ te tend toujours la main. 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 Toi qui m'écoutes, le Seigneur Jésus t'aime toujours. Il t'aime toujours. Alléluia, 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 gloire à Jésus. Jésus, 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 Jésus. Le roi des rois, c'est Jésus. Le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus. C'est lui qui était, c'est Jésus. C'est lui qui est, c'est Jésus. C'est lui qui vient, c'est Jésus. Jésus. Shalom, 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 peuple du monde. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Jésus revient. Le Créateur de l'humanité revient. L'agneau de Dieu qui s'est sacrifié pour toi. Il revient bientôt, mes bien-aimés. Alléluia, mettez de l'ordre dans vos vies. Mettez de l'ordre dans vos vies, Jésus revient bientôt. Repentez-vous maintenant, Jésus revient bientôt. Soyez bénis, la paix de Jésus-Christ avec vous. Abandonnez vos péchés, Jésus revient bientôt. Il revient pour juger les vivants et les morts. Mettez de l'ordre dans vos vies, Jésus revient bientôt. Repentez-vous maintenant, Jésus revient bientôt. Abandonnez vos péchés, Jésus revient bientôt. Il revient pour juger les vivants et les morts.
Mettez de l'eau dans vos vies, Jésus revient bientôt. Repentez-vous maintenant, les temps sont terminés. Abandonnez vos péchés, Jésus revient bientôt. Il revient pour juger les vivants et les morts. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Jésus revient, mes bien-aimés. Mettez de l'ordre dans vos vies avant qu'il ne soit trop tard. Sortez des religions. Soyez bénis. Aucune religion ne sauve, mes bien-aimés. La religion ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. C'est celui que vous allez trouver devant la porte du royaume des cieux. C'est lui qui va vous juger. Soyez bénis. Jésus vous aime. Donnez votre vie à Jésus, mes bien-aimés. Je ne prêche pas une religion. Aucune religion ne sauve, mes bien-aimés. Dieu n'a pas créé des religions. C'est Satan qui a créé les religions pour nous diviser. C'est la vérité. Repentez-vous. Les temps sont terminés. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps, mes bien-aimés. Sauvez vos âmes. Sauvez vos âmes avant qu'il ne soit trop tard. Bientôt, il sera trop tard. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Sortez de l'aliénation religieuse. Sois bien, mon frère. Sortez de l'aliénation religieuse, mes bien-aimés. Sortez des religions sataniques. Les temps sont terminés. Sauvez vos âmes. Mettez de l'ordre dans vos vies. Jésus revient bientôt. Repentez-vous maintenant. Jésus revient bientôt. Abandonnez vos péchés, il se tient à la porte. Il revient pour juger les vivants et les morts. Oui, mon frère, ma soeur, si tu mourrais maintenant, où irait ton âme? Où passeras-tu l'éternité? Jésus-Christ t'appelle à la vie éternelle. Jésus-Christ te promet la vie éternelle de ton vivant aujourd'hui même. Il te demande seulement d'abandonner le péché. Parce que pour hériter du ciel, il faut être saint. Le royaume des cieux, c'est pour les saints. Concilié avec Jésus, ton créateur. Tout dans ce monde va passer, mon ami. Avec ses désirs et tous ses plaisirs. Tout dans ce monde n'est que pure vanité. Soyez bénis. Merci, mademoiselle. Tout dans ce monde n'est que pure vanité. Prépare-toi dès maintenant à la rencontre de ton Dieu. Voici le temps, oui, c'est le temps. Voici le temps favorable. Voici le temps de donner ta vie à Jésus. Voici le jour, oui, c'est le jour. Voici le jour favorable. De te réconcilier avec Jésus. Soyez bénis. La paix de Jésus qui soit vous. De te réconcilier avec Jésus, ton créateur. Voici le temps, oui, c'est le temps. Voici le temps favorable. Voici le temps de donner ta vie à ton créateur. Voici le jour, oui, c'est le jour. Voici le jour favorable. Soyez bénis. De te réconcilier avec Jésus, ton créateur. Jésus-Christ tend la main, mon ami. Accepte donc l'amour qu'il t'offre aujourd'hui. Et toute ta vie changera, mon ami. Si tu acceptes sa parole et délaisse tes péchés, voici le temps, oui, c'est le temps. Voici le temps favorable. Voici le temps de donner ta vie à ton créateur. Voici le jour, oui, c'est le jour. Voici le jour favorable de te réconcilier avec Jésus, ton créateur. Où passer, tu verras mon frère, en enfer, tu verras bien. Où passeras-tu l'éternité, cher ami? Bientôt Jésus te jugera, le septième. Seras-tu parmi les élus dans le ciel? Sois béni. Où seras-tu condamné
J'étais en enfer. Voici le temps, oui, c'est le temps. Voici le temps favorable. Voici le temps de donner ta vie à ton créateur. Voici le jour, oui, c'est le jour. Voici le jour favorable de te réconcilier avec Jésus, ton créateur. Sois béni, mon frère. Mais bien aimé, les temps sont terminés. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps de dire je suis dans telle, telle religion. On n'a plus le temps pour ça. Le temps, c'est pour sauver son âme, sois béni, mon fils. Le temps qui nous est donné, c'est pour sauver nos âmes. On n'a plus le temps. Je vous le dis en vérité. Le Seigneur Jésus qui te donne encore la grâce d'avoir le souffle de vie. Ce souffle de vie, c'est pour que tu sauves ton âme. Donne ta vie à Jésus. Sans Jésus, mon frère, tu vas terminer en enfer. Il n'y a pas de salut nulle part ailleurs. Il n'y a pas le salut nulle part. Il n'y a pas de salut nulle part ailleurs qu'en Jésus, mes bien-aimés. Venez à Jésus-Christ et vous serez sauvés. Sortez des religions sataniques. Les temps sont finis. Ne vendez pas vos âmes au diable. Car l'enfer, c'est pour Satan, c'est pas pour toi, mon frère. Ma soeur, l'enfer n'est pas pour toi. Celui-là qui vous dit que vous allez tous passer par l'enfer, dites-lui que non. N'y allez pas, mes bien-aimés. Si tu mets pied en enfer, tu ne sortiras plus de là. Fuyez la colère de Dieu à venir. Il en était pareil au temps de Noé. Noé parlait exactement comme je parle aujourd'hui. Tout le monde se moquait de Noé, comme vous moquez de moi maintenant. Mais bien aimé, je ne suis pas là parce qu'il me manque de quoi faire. Mais je suis là par amour de Jésus-Christ pour vous. Soyez bénis. Car il ne veut qu'aucun de vous ne perde sa vie. Il ne veut qu'aucun de vous ne périsse. Il ne veut qu'aucun de vous ne termine en enfer, mes bien aimés. Mais sans Jésus-Christ, ça vous ira en enfer. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Vous n'avez plus le temps. On n'a plus le temps. Les temps sont terminés. On n'a plus le temps. Les temps sont terminés, mes bien-aimés. Accourez vite à Jésus. Abritez-vous. Soyez bénis. Car il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Il n'y en a pas nulle part ailleurs. Tu n'as pas la vie éternelle nulle part ailleurs, mon frère. Sortez de l'aliénation religieuse. Sortez de l'aliénation religieuse. Vous n'irez pas dire que mon pasteur m'a menti. Vous ne direz pas mon prêtre m'a menti. Vous ne direz pas mon imam m'a menti. Ça ne passera pas. On vous montrera cette journée aujourd'hui. On vous dira ce jour, la dame vous a parlé. Vous l'avez méprisé dans votre cœur. Méprisez-moi, faites tout ce que vous voulez, insultez-moi. Mais sauvez vos âmes. Je ne vous conduis pas dans une religion. Les religions ne sauvent pas. Les religions ont été créées par Satan. Les religions ne sauvent pas mes bien-aimés. Celui qui sauve, c'est celui qui est descendu du ciel. C'est la parole qui s'est faite chair. Il est venu accomplir sa mission, Jésus-Christ de Nazareth. Il a accompli sa mission sur la terre. Il est retourné dans sa gloire. Il revient bientôt pour nous juger. Où ira ton âme? Seras-tu parmi les élus au ciel? Seras-tu parmi les condamnés? Tu ne diras pas, je n'étais pas au courant. Alors, si tu n'étais pas au courant aujourd'hui, Jésus-Christ a permis que tu entendes cette parole. Donne ta vie à Jésus maintenant. Si tu veux avoir la vie éternelle, donne ta vie à Jésus maintenant. Si tu veux éviter l'enfer éternel, donne ta vie à Jésus maintenant. N'attends pas demain. N'attends pas demain, mon frère. Demain ne t'appartient pas. N'attends pas demain. Demain n'appartient qu'à Dieu. Tu ne sais pas si tu vas passer la journée. Tu ne sais pas si tu vas arriver à ce soir, mon frère, ma soeur. Sortez de l'aliénation religieuse. Sortez des religions sataniques. Sortez de là. Sauvez vos âmes. Les temps sont terminés. Les temps sont terminés. On n'a plus le temps à perdre. Le temps qui nous reste, c'est pour implorer le ciel. Soyez bénis. Sois béni. Le temps qui te reste, c'est pour implorer Jésus-Christ pour tes péchés. Car c'est le Dieu miséricordieux. Alléluia, Jésus, 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 Jésus.
Le roi des rois, c'est Jésus. Le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus. Le roi des rois, c'est Jésus. Le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus. C'est lui qui était, Jésus. C'est lui qui est, Jésus. C'est lui qui vient, c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Shalom, shalom, shalom. Voilà, c'est ma fille Ruth. La Ruth avec qui on prie souvent en ligne, c'est elle. C'est ma fille Ruth, elle est venue me chercher à l'aéroport. Shalom, shalom. Une bénie de l'Éternel. Et voici mon autre fille. Viens ma fille qu'on te voit aussi. Rachel. Voilà, voici ma fille Rachel. Elles sont venues me chercher. Une délégation d'anges sont venues me chercher au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Jésus. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Jésus revient, il revient, tous mes enfants. Accepte Jésus et tu seras sauvé, les temps sont finis. Tiens ma soeur. Jésus revient, Jésus revient. Jésus revient, il revient nous chercher, ma fille. On se connaît. Jésus t'aime, ma fille. Tenez ma soeur. Jésus revient. Jésus revient, Jésus revient, il revient nous chercher. Mes enfants, accepte le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le seul chemin pour aller au ciel. Tenez, mon fils, pour toi, mon fils. Accepte Jésus, tu seras sauvé. Vous l'appelez Issa dans le Coran. Nous, on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon fils, Jésus t'aime. Tenez, ma soeur. Accepte Jésus et tu seras sauvé, mon frère. Mon fils, tu ne sais pas si tu es sauvé ou pas. Il faut l'accepter lui seul. Ma fille, Jésus t'aime. Tiens, accepte Jésus et tu seras sauvé, ma fille. Jésus t'aime. On a une église en ligne. Jésus revient TV. Mon fils, Jésus t'aime aussi. Merci. Il revient bientôt. Il faut l'accepter et pardonner vos péchés. Les temps sont finis. Jésus est à la porte du ciel. Il revient bientôt. Pardonnez vos pires péchés. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Jésus t'aime, ma sœur. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient, mon fils. Il revient nous chercher. Alléluia, ma fille. Jésus t'aime. Jésus revient. Jésus revient. Il revient nous chercher. Repentez-vous. Il est temps de se repentir. Ma sœur, Jésus t'aime. Il faut se chercher la face de Dieu. Jésus est à la porte du ciel. Il revient bientôt. Cherchez celui qui donne vie. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Le lion de la tribu de Juda. Ne perdez pas votre vie dans la vanité de ce monde. Jésus vous aime. Ah, tu l'as eu. Que soyez béni, mon fils. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient, il revient nous chercher. Repentez-vous, repentez-vous. Jésus revient, il revient nous chercher. Tenez ma soeur, soyez bénie ma soeur. Jésus revient, tenez mon frère. Jésus revient. Mes enfants, Jésus vous aime. Jésus revient, il revient nous chercher. Tenez mes enfants, accepte Jésus et tu seras sauvé. Les temps sont finis. Accepte Jésus avant de mourir de cette terre. On n'est que passager sur cette terre. Il revient bientôt. Ma fille, Jésus t'aime. Ma fille, Jésus t'aime. Jésus revient, Jésus revient. Jésus revient, il revient nous chercher. Tenez ma soeur, Jésus t'aime. Alléluia. Jésus revient, il revient nous chercher. Ma soeur, Jésus t'aime. Accepte-le pendant que tu es vivant, mon frère. Les temps sont finis. Il est à la porte du ciel. Il revient bientôt. Sans lui, tu ne peux pas monter là-haut. Sans lui, tu ne peux pas voir les péchés pardonnés. C'est le seul qui pardonne les péchés. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus n'est pas un Dieu des religieux. Jésus n'est pas un Dieu des morts. Il est un Dieu des vivants. Mon fils, Jésus t'aime. Jésus revient, Jésus revient. Jésus revient, il revient nous chercher. Repentez-vous, le temps est fini. Ma fille, alléluia. Jésus revient, il revient nous chercher.
Alléluia, Jésus vous aime. Avignon aujourd'hui samedi. Alléluia. Jésus est à la porte du ciel. Tiens mon frère. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Les temps sont finis. Jésus revient. Jésus revient. Tenez. Il est temps de se réveiller. Jésus revient. Jésus revient. Accepte le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Tiens mon fils. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Les temps sont finis. Jésus est à la porte du ciel. Il revient bientôt. Sans Jésus, tu ne peux pas monter là-haut. Tiens, mes enfants. Accepte-le pendant que tu es vivant. Ne mourrai pas sans Jésus. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a plus de marche arrière. Une fois mort, c'est fini. Jésus est à la porte du ciel, ma fille. Jésus t'aime. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Les temps sont finis. Jésus peut te guérir, ma fille. Jésus revient. Accepte Jésus, mes enfants. Jésus revient. Il est temps de se réveiller. Jésus revient. Jésus revient. Il est temps de se repentir. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Les temps sont finis. Il faut se repentir. Réveillez-vous. Jésus revient. Jésus revient. Tiens, ma soeur. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Il est à la porte du ciel. Il revient. Si tu n'es pas prêt, tu vas rater le ciel. Jésus est à la porte du ciel. Tiens, ma soeur. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Les temps sont finis. Jésus revient, mes enfants. Pardonnez vos péchés. Repentez-vous pendant qu'il est temps. Jésus revient. Jésus revient. Tenez, mes enfants. Il est temps de se réveiller. Tenez. Qu'as-tu donné à Jésus? Il revient bientôt nous chercher. Mes enfants, tenez. Accepte Jésus et tu seras sauvé, mon fils. Qu'as-tu donné à Jésus? Il revient bientôt nous chercher. Mes enfants, sans Jésus, vous pouvez pas monter là-haut. C'est le seul chemin pour aller au ciel. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Il est le lion de la tribu de Judas. Si tu meurs sans Jésus, c'est fini. Tu ne peux plus faire marche arrière. Il n'y a pas de purgatoire. C'est fini. Repentez-vous pendant qu'il est temps. Jésus vous aime. Il revient bientôt. Cherchez celui qui donne vie. Il te donne le souffle de vie chaque jour. Il te donne à manger tous les jours. Il te donne un travail. Repentez-vous pendant qu'il est temps. Ne mourrez pas dans la vanité de ce monde. Ne mourrez pas dans le péché. Mes enfants, repentez-vous pendant qu'il est temps. Jésus revient. Accepte-le dans ta vie. Vous les musulmans, vous l'appelez Issa. Nous, on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cherchez celui qui donne vie. Il est l'alpha et l'oméga, mon frère. Il est le roi des rois. Tenez. Accepte-le pendant que tu es vivant. Ne mourrez pas sans Jésus. Il revient bientôt. Pardonnez vos péchés, même vos pires péchés cachés. On est sous la grâce aujourd'hui. Vous pouvez pardonner. Le jour qu'il n'y aura plus la grâce, ce sera fini. Une fois que l'Église sera enlevée, ce sera fini. Ce sera terrible. L'Antichrist est déjà dehors. Il revient bientôt, Jésus. Accepte-le pendant que tu es vivant. Jésus est à la porte du ciel. Tiens, ma fille. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Les temps sont finis. Jésus revient. Fuyez le péché. Pardonnez vos péchés. Pardonnez le mensonge. Pardonnez toute l'iniquité, le péché sexuel, l'hypocrisie, le mensonge, la calomnie, les murmures. Tout ça, c'est des péchés. Le vol,
l'alcool, la drogue, tout ce qui est péché, c'est mortel. Vous ne pouvez pas aller au ciel avec des addictions ni péché. Si tu t'es pas repenti, c'est fini. Si tu meurs sans Jésus, sans pardonner, c'est fini. Il n'y a pas de purgatoire. Vous ne pouvez pas faire marche arrière. Jésus vous aime. Il veut vous sauver. Je suis dans la rue pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Jésus vous aime. Il revient bientôt. Repentez-vous pendant qu'il est temps. Qu'as-tu donné au roi des rois? Il revient bientôt nous chercher. Mon frère, accepte Jésus et tu seras sauvé. Les temps sont finis. Tiens, ma fille. Jésus est à la porte du ciel. Il revient bientôt. Qu'as-tu donné au roi des rois? Il revient bientôt nous chercher. Alléluia. Repentez-vous pendant qu'il est temps. Accepte Jésus pendant que tu es vivant. Il est à la porte du ciel. Les anges ont déjà la trompette dans la bouche. À tout moment, ils peuvent sonner. Accepte Jésus pendant qu'il est temps, ma fille, Jésus t'aime. Alléluia. Qu'as-tu donné au roi des rois? Mon fils, Jésus t'aime. Moi aussi, je t'aime. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Les temps sont finis. Jésus est à la porte du ciel. Il revient bientôt. Va être tout être humain, tout démon dans cette rue, au nom de Jésus-Christ, dans le sang de Jésus-Christ.